Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2022. J'espère que vous vous portez bien, vous et toute votre famille. Je profite d'avoir un petit moment de libre. Damien est sorti prendre un verre avec ses amis. C'est tellement rare que voilà, faut qu'il en profite un petit peu aussi avec tout ce que l'on fait. Et voilà, je voulais vous présenter nos meilleurs voeux de la part de toute la famille. On vous refera de toute façon très rapidement une nouvelle vidéo. On s'excuse, on s'est un petit peu éloigné des réseaux pendant quelques temps, que ce soit YouTube, Facebook, Insta. Voilà, on avait besoin d'être un petit peu centré sur nous-mêmes puisque cette année sera une année un petit peu particulière. Aujourd'hui, les enfants ont quitté l'école pour une instruction à domicile. Donc cette année, nous leur ferons, enfin au moins jusqu'à fin juin, et on se laisse l'année scolaire prochaine, donc jusqu'à fin juin 2023, grand maximum, pour se recentrer un petit peu sur nous-mêmes, avoir un autre rythme de vie qui correspond plus aux enfants, loin de tout ce qui se passe en ce moment, parce que là, elles vivent très mal les rythmes et toutes les angoisses qui se passent en ce moment. Donc on va les préserver de tout ça, parce que voilà, les pauvres, franchement, elles ont eu des angoisses, elles ont eu pas mal de choses. Alors apparemment, ça s'était pas trop vu au niveau de l'école, mais à la maison, on le sentait vraiment que ça allait pas. Donc si c'est pour que ça se passe mal pour elle, voilà, on en a beaucoup discuté avec Damien et on a pris la décision donc de les passer à l'instruction en famille. On espère que le climat et un rythme de vie pourra reprendre de façon normale finalement dans pas trop tard, puisque voilà, le but c'est pas de les sortir non plus ad vitam aeternam du circuit, mais simplement de pouvoir au moins se recentrer et repartir dans de bonnes conditions, parce que on voyait que ça atteignait quand même certaines proportions un petit peu dramatiques avec les enfants. Donc fallait faire quelque chose. Donc cette année, un rythme de vie un petit peu particulier pour nous. En tant que parents, il va falloir courir un petit peu plus. Pour les enfants, ce sera plus en phase avec elles-mêmes. On a une serre qui est devant la maison maintenant. Alors, vous aviez vu dans d'autres vidéos qu'on avait commencé à préparer, etc. Donc, on a une serre. La bâche n'est pas scellée par terre. On l'a juste posée comme ça. Faudra qu'on le fasse. On va continuer notre potager. On aimerait essayer d'être un peu plus autonome en légumes pour pouvoir produire un peu plus de nourriture un petit peu plus saine. Le zéro déchet, continuer toujours sur notre lancée. On n'est pas si mal que ça, hein. Le bocal, l'autre fois, on a réussi à le faire tenir 7 semaines. Là, il est à 2 semaines. J'ai envie de dire, même si c'est qu'une semaine, un bocal grand comme ça pour une famille de 4, c'est quand même malgré tout très honorable. Nous avons des petits poussins, je vous les montrerai bientôt, qui viennent d'arriver cette semaine. Ce sont les poussins de nos poules que l'on avait eues en couveuse au mois de mai-juin, quelque chose comme ça. Elles ont grandi, les coqs les ont honorées et donc finalement on a eu quelques naissances. Alors on a encore un doute sur deux petits bouts. Ils ont l'air d'aller beaucoup mieux, mais bon voilà. Donc si tout se passe bien, on aurait donc 4 poules coques, on verra bien ce que l'on aura, qui rejoindront le poulailler dans les futurs mois. Et voilà, c'est déjà pas si mal que ça. Donc grosse année, un rythme de vie un petit peu particulier pour nous qui s'annonce. On va vous partager tout ça, ce que l'on pourra réussir à faire, à pas faire, nos erreurs, hein, parce que voilà, on est humain, et puis ben, je vous partage un petit peu ce que l'on a, hein, c'est... Vous êtes avec moi comme si vous veniez à la maison avec le bordel. Et puis ben voilà, c'est comme ça, c'est la vie, avec ce qu'on réussit à faire, ce qu'on réussit à pas faire. Et voilà. Donc sur ce, je vous dis à très vite.
J'espère que l'on pourra reproduire une vidéo la semaine prochaine. Bon, déjà, demain, on va peut-être. Enfin, j'avais commencé à préparer quelques feuilles de travail pour les enfants. Je vais vous expliquer ce que l'on a fait, quel choix on a fait, quel consensus on a dû prendre. Et je vous expliquerai tout ça dans les prochaines vidéos. Je vous embrasse, portez-vous bien, faites attention à vous et à votre famille.